Vous êtes pas venu, vous êtes pas venu avec les filles, les gars. Ah non, non, mais il y avait des filles déjà à l'antenne. Ouais, mais on attendait, on espérait la voir. C'est ce que j'allais dire, mais moi je veux pas qu'elle me frappe, Tiffany. Je suis plus ça. Les questions avec Morgane et Nandi. Oui. Première question, mais présentez-vous un peu pour les personnes qui ne vous connaissent pas forcément. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, ben c'est Cotis et Jody. Et Kagi Cotis, Kagi Jody, c'est ça la question. Deux humoristes, ça t'y est. C'est qui, c'est le plus grand, c'est Cotis. Alors, le plus grand, c'est Jody, je suis plus grand de taille. Cotis, c'est plus petit de taille, mais on a le même âge. On avait fait un petit générique pour vous, c'est moi Cotis, c'est moi Jody, c'est moi le petit et toi le plus grand. Voilà, ça. Non, non, ça va, vas-y, chante-le, ça va, moi j'aime. Ah, ça va passer là? Non, 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 ça va. On fait des vidéos sur internet, on fait des spectacles aussi. Tout à fait, des spectacles sur scène, vidéos, toutes sortes de vidéos. On est sur tous les fronts, hein, parodies, podcasts, à peu près tout. Hein. Depuis que ça touche à la comédie, depuis que c'est pour faire rire. Mais balancez vos réseaux, les gars, c'est ah, bah, voilà, Cotis c'est Jody. En base, Cotis c'est Jody pour Insta. Cotis c'est Jody sur page Facebook. Cotis c'est Jody chaîne YouTube. Voilà. Très bien. Super. Mais du coup, vous vous êtes rencontrés quand? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Alors, ça fait 5 ans. On s'est rencontrés en cours de théâtre. Parce qu'on a pris des cours au Soniste avec Eddie Arnel. Bien. C'est comme ça, on a fait nos armes là. Et une fois, j'ai balancé une blague. Je dis à continuer la blague. Donc, c'est le coup de foudre de la blague. Et ça fait combien d'années que vous êtes ensemble en fait? Donc, que vous ne sortez pas ensemble de la blague. Dans la blague. Faut toujours dire dans la blague. Dans la blague. Il y a ça peut porter à la confusion. Tout à fait. 5 ans. 5 ans. Et ça fait 3 ans qu'on fait des vidéos. Pas encore un petit bébé quand je dis un bébé. Une grande scène. Ah oui, on a déjà fait 2 scènes complètes. Et là, on va certainement. On a des projets à venir. Donc, on vous en dit pas plus pour le moment, puisque. Surprise. Très bien. Cotis et Jody sont avec nous dans le système sur Énergie. Tout à l'heure, c'est Morgane qui revient avec la Minute Morgane. Et juste avant, il y a tout fan et pas tout ranking. Avec My Girl. Ce matin, c'est Cotis et Jody qui font partie de la famille. On font partie de la famille du 6-9. Yes. On les retrouve le lundi et le jeudi avec quelques blagues sympas. Franchement, oui. On adore. Oui, on adore. Mais en fait, moi, j'ai une question. On a eu une petite période, vous savez, au senti, où l'humour était, on va dire, en stand-by, entre guillemets. Et puis après, il y a eu une apparition, une vague de jeunes humoristes sur les réseaux. Est-ce que, à votre avis, c'est ce qui a sauvé, qui a reboosté un peu l'humour antillais? Je dirais oui. La question qui tue. Vraiment, merci Internet parce que au moment où. Quand il y a eu l'affluence de vidéos et tout, c'est que c'était au moment aussi où il n'y avait plus de scène des arts. Plus rien. On pouvait s'exprimer vraiment sur scène, parce que moi, un coach, notre premier amour, c'est la scène. Il n'y avait plus de moyens de s'exprimer et c'était heureusement qu'il y a eu les réseaux, les portables où on pouvait faire des vidéos, d'autres mouvements. D'ailleurs, je voulais profiter à envoyer un big up à tous les comédiens, les anciens comme les nouveaux, tous ceux qui se battent pour la cause, on va dire. Parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de salle de spectacle, voilà quoi, on ne peut pas faire des palais des sports, on ne peut pas tout de suite faire des grandes salles. Donc les gars se battent. Il y en a qui travaillent avec des agglos et ils essayent de faire vivre le théâtre du style Octobre en Théâtre, Théâtre devant Pote. Franchement, les gens se battent et je voulais vous leur faire un gros big up parce que ça fait plaisir. On est au combat, nous aussi, à notre façon. Donc voilà, les gars, pas lag. Apparemment, c'est extrêmement compliqué. Oui. Bah, tiens, on parlait des réseaux, bien, ça tombe bien, c'est l'heure de la Minute Morgane. La Minute Morgane dans le 6-9 Énergie. Alors les gars, je vous explique qu'est-ce que la Minute Morgane. C'est Morgane qui est là, ici présente, okay, avec sa touffe de cheveux. C'est quoi? C'est du blond? C'est du quoi? Je sais pas quelle couleur c'est, mais avec le casque, c'est magique. Donc elle fait ce qu'elle veut en fait. Vas-y, tu parles de quoi ce matin? Alors aujourd'hui, j'ai un petit plan pour vous, si vous aimez les animaux. Ouais. Pourquoi ça vous fait un plan avec des animaux? Non, c'est pas un plan. Oula, tu parles de zombies là? Sérieux? Tu fais ce que tu veux avec ton animal, je suis pas là pour te juger. Un plan à combien? Un plan à combien? Entre 32 000 et 48 000 euros. Ok. Vas-y, balance. C'est pas du plan. Mais t'aurais dû dire ça d'abord. Alors, si vous êtes nostalgique du chien, du malicou, de tout ce que vous voulez que vous avez perdu à 8 ans, il y a une boîte en Chine qui propose de cloner n'importe quel animal. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Et ils ont déjà cloné plus de 40 chiens.
par exemple, depuis 2017. Et si tu considères ton frère ou ta sœur comme un animal? Eh bah, ben, tu peux tester. Tu peux tester. D'accord. En tout cas, le chat, c'est 32 000 pour okay. cloner ton chat. 32 000 et le euros chien, quand même. C'est 48 000. Ouais. Quand sans même, déconner, hein. Je préfère en acheter un à 5 euros. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des gens qui. Ça traîne pas autour, hein, quand même. C'est ici, si tu veux un chien, allez, tu vas au poids de la rue, t'as des chiens héros. Au lieu de c'est payer 32 000 euros, allez, t'as un nouveau chien tout neuf. Mais c'est un marché, hein. Les gens le font. D'accord. Oui, je pense que peut-être qu'il faut ça pour l'argent. Si t'as les sortes de chiens de race. De race. Ouais, ouais, vraiment. Clairement. Là, tu vas pas les clouer à chat créole alors que. Non, tu vas avoir des chiens créoles. C'est tout dans le monde. Joli d'être dit. Chacun l'a cacloné tout seul. Cotis et Jody sont nos invités ce matin dans le 6-9 sur Énergie. Restez avec nous. On revient après Ben Winshow, c'est Admiralty et Wirvana. JC dans le 6-9. Admiralty avec Wirvana sur Énergie. Tiens, on va demander à Cotis et Jody s'ils ont fréquenté le lycée Bainbridge. Non. Enfin, non, moi j'y suis allé une fois. Des habitants du lycée. Voilà, moi, c'est ça, les habitants plutôt. Donc, Cotis et Jody, vous avez fait quoi? Vous avez fréquenté quel collège, quel lycée? Alors, vas-y. Moi j'étais au LPO Nord-Grand-Terre de Port-Louis, notre nouveau lycée là. Mmh, très bien. C'est là où j'étais. Et moi j'étais au lycée Providence, en Côte d'Ivoire. Derrière le Cinéstar, sauf qu'il n'y avait pas encore le Cinéstar. Voilà. Cotis et Jody sont vos invités ce matin. Tiens, vous écoutez quoi comme musique en général? Un Cotis. Alors moi de tout, hein, j'aime bien Georgia Smith avec Burna Boy, ouais. J'aime Matthew White, j'aime Kero, j'écoute de tout, hein, Dossé Thaïlande, là c'est mon son du moment, Dossé Thaïlande. Dossé Thaïlande, c'est le son du moment, tiens, ouais. Dossé Thaïlande, c'est ça, hein. C'est ce qu'écoute donc Cotis. T'écoutes de tout, mais est-ce que tu chantes de tout? Ah non, par contre je chante pas de tout. Je chante presque pas du tout, d'ailleurs. Et toi, ça m'arrive, mais bon, voilà quoi. Et toi, Jody, t'écoutes quoi? Alors, moi, j'écoute beaucoup de trap musique. C'est pour ça que je pouvais pas trouver les bons sons et tout. Mmh. Mais j'aime bien aussi les sons antillais et tout. J'aime bien Matthew White, le son semblant, franchement. Semblant, c'est Matthew White. Ce son-là, ça retranscrit vraiment ce qu'on ressent. On a ressenti quand on a commencé. C'est vrai? Voilà, ouais. Oui. Et ça parle de quoi? Ça parle en fait des gens, en fait, de la réaction des gens, en fait, quand tu n'es pas encore très connu. Mmh. D'une manière, ils voient que tu vas monter, mais ils se disent non, on attend encore un peu avant de faire aux gens qu'on les connaît. Donc ils font semblant de te connaître. Ils te connaissent, mais ils font semblant. Mais dans le regard, ils voient que tu regardes tes vidéos, mais il faut comme s'ils connaissent pas. Ouais. Tu les vois dans ta story Instagram. Tu sais qu'ils te surveillent tout le temps. Ils sont toujours là. Ils sont postés en train de regarder là le moindre petit post que tu fais. Ils vont te voir après. Ils vont dire ah, mais c'est jamais vu de la vie. Jamais. Alors qu'ils étaient en train de faire les toilettes. Connais pas. À ta vidéo et tout. Je vois. Nandi. Bon, alors du coup, on parle de vidéos, on parle de réseaux sociaux. Vous êtes arrivé à 50K la semaine dernière. Ça, j'ai été scotché. Vous avez demandé, vous avez eu vos 50K. Ah oui, on a demandé. D'accord, 50K, 41 000 followers aussi sur Facebook, du coup. Ça se passe comment, justement? Comment vous vivez ça? Comment vos proches vivent ça, cette notoriété, cette exposition? Alors, ils le vivent pour le moment bien. Mais ça commence à faire bizarre des fois quand limite je vais à Destrilan, je dois faire des photos avec tout le monde. En attendant. Ouais, c'est chaud. Ils me disent que ouais, on te voit plus maintenant, on te voit qu'en vidéo. Nanani, nanana. Donc, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est tout nouveau. Donc, pour l'instant, ils sont pas encore habitués. Genre. Exactement. Mais moi, c'est pareil. Hein. Moi, c'est parce qu'elle voit que j'arrive à payer mon loyer avec ce que je fais. Que là, il y a eu un petit. Il y a eu un petit rester tranquille, tu vois. Ben sinon, ouais, comme je disais, ben, on le prend bien. Hein. On a une petite distance émotionnelle sur ça, quand même, tu vois. Juste histoire de rester concentré sur le boulot, hey, de pas avoir la grosse tête, tout ça. Ouh, ouais. Ça campe, elle est bien. Non, mais il faut. Non, parce que. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas on n'est pas de Tinec. Oh, j'ai pas dit ça. T'es venu t'en couler tout machin. Non. Mais tu sais, quand t'entends Cotis et Jody, t'entends les blagues, tu te dis, voilà. Mais en fait, c'est deux personnes. On a été à l'école. Big up Providence, big up Madame Pierrin. Madame Perrin, on big up Madame Perrin. D'ailleurs, tout à l'heure, on va jouer, si vous voulez gagner des cadeaux, 0825-825-696, on va jouer au Chamallow Challenge. Et c'est évidemment Cotis ou Jody, ou peut-être les deux, qui vont donc jouer avec nous. Restez là. Info dans un instant à 8h30. La roulette à énergie revient, plus à bloc que jamais. À tout moment, le 6-9, le Chamallow Challenge.
Le chamallow challenge sur Énergie avec nos invités du vendredi. Les guests, c'est Coty, c'est Jody. Mais en même temps, c'est même pas des invités du vendredi parce qu'ils font un peu partie du 6-9. On les retrouve le lundi et le jeudi ici sur Énergie entre 7h et 7h30. On aura également un jeu tout à l'heure, c'est le défi de l'impro, c'est ça? Exactement. On va leur proposer deux mots. C'est deux ou trois? Trois mots. On leur a donné trois mots, dont une expression qu'on a inventée par Narca. Donc, ils vont devoir utiliser Swaziland, ils vont devoir utiliser budget de 15 000 lapins. Et ils vont devoir utiliser la conjugaison nous-us. Nous-us. Oui, ça va. Bon, lui, il est pressé. Salut Christophe, comment ça va? Ça va, on est là. Ouais, t'appelles d'où? Eh ben, j'appelle la Guadeloupe là. Oui, la Guadeloupe, mais où en Guadeloupe? Tu sais, la Guadeloupe, c'est assez vaste. Je suis à côté de la Guadeloupe. À côté de la Guadeloupe? Oui, à côté de la Guadeloupe aussi. D'accord. Là. Je te dis, il y a un truc, hein, tu caches quelque chose à ta femme, tu veux pas qu'elle sache. On cache. Non, loin d'elle, on cache rien. Ok, Christophe, il y a Coty, c'est jeudi avec nous. Yeah, salut Christophe. Et vous là, à côté de jeudi? Nous là, on calme. Là. C'est quoi les bails? Tranquillement, bien posé. Bien posé, ok. Bon, Christophe, le jeu du chamallow, c'est simple. On commence avec Cotis, jeudi. Tiens, Narca, tu peux leur donner les chamallows. Je veux bien commencer. On commence avec Cotis. C'est des chamallows. Fais péter les chamallows. La date est passée, hein, ça fait déjà 4 mois. Comment tu dis ça, messieurs? Ouais, c'est pour ça que ça va troubler la musique. Ouais, chamallow. Ouais. Donc, attention. Un peu plus que ça. Ah non, monsieur. Un peu plus que ça, monsieur. Mon meuf, on s'en met des chamallows pleins. Alors, c'est bon. Donc, tu écoutes ce que Cotis chante, et si c'est bon, cadeau, évidemment. Vas-y, Cotis. Christophe? Ouais, effectivement. Bon, Christophe, t'as pas trouvé? Bon, il m'a dit qu'il est obsédé, qu'il a besoin de trouver des trucs, qu'il zoupe ça, qu'il chante ça. C'est qu'est-ce qu'il raconte, Christophe? Je comprends pas. C'était quoi? Non, tu peux avaler. Avaler. Il avale. C'était Nino Moni. Nino, maman. Bon, c'était compliqué. Ah oui, Christophe. Tiens, on va passer à Jody maintenant qui va aussi nous faire le chamallow challenge. Un peu plus, hein, quand même. Hein. C'est plus facile. Et puis, peut-être un peu plus simple que le Nino. Oui, bon. Les chamallows sont bons. Bon. Oh. Vas-y, jeudi. Ouais, c'est bon, tu peux chanter. Grande bouche, belle capacité. Allez, c'est parti pour jeudi, Christophe, écoute. J'ai trouvé. Bon, Christophe, c'est qui le nom du chanteur? Le nom du chanteur, j'ai oublié au maître. Tu peux pas oublier un artiste comme ça, non. C'est quand même. Manu Rezo. Patrick Saint-Éloi, frère, c'est les gens. Christophe. Ouais, Patrick, t'as bien dit pas. En tous les cas, c'est gagné. Christophe, raccroche pas, cadeau pour toi. Tu restes avec nous, évidemment. Coty et Jeudi sont avec nous. Il y aura le défi de l'impro dans un instant. D'accord. Et puis quelques questions également avec les drôles de dames. Ah, j'aime bien ce nom, Morgane. Ouais, je trouve que ça claque. Hein, ouais. Pas assez. Les jolies dames. Tu veux un truc genre Queen, Queen quelque chose. Ouais. Les jolies dames. Bon, bah alors tout à l'heure, retour des questions avec les Queen Beach. It's music only.